bonjour tout le monde, garder le moral, penser positif, est-ce que ça améliore la survie des gens atteints de maladies graves? Tout le monde semble avoir un avis là-dessus, vous-même éventuellement levez la main si vous pensez que c'est vrai. On va voir que c'est au moins un peu discutable. Les maladies graves, ça n'arrive pas qu'aux autres, ce sont des moments compliqués où l'incertitude est forte, c'est très angoissant, et on aurait besoin que les gens autour de nous, quand on est malade, nous aident. Or, les gens autour de nous, autour des malades, ont une habitude envahissante, c'est celle de répéter des trucs du genre « garde le moral c'est 50% de la guérison, c'est le plus important, ça, de garder le moral pour s'en sortir, etc. » Vérifiez chez vous, vérifiez vous-même ce que vous avez pu dire aux autres, ça revient sans cesse, une sorte de mantra, on y croit et on va voir pourquoi on y croit. Et en fait, ça n'a l'air de rien, on l'a tous entendu, on l'a même peut-être tous dit, ça nous paraît pas grave du tout, alors qu'en fait ça pose un vrai problème. Quand on est malade, ce qui aide à aller mieux, à survivre, à aller mieux, à se guérir, c'est de suivre son traitement, ça s'appelle l'observance, c'est le facteur numéro 1. Ce qui aide, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, donc avec un peu d'exercice physique, avec une bonne alimentation, du sommeil de qualité, des relations aussi stimulantes avec les gens, et tout ça, ça aide le corps à revenir vers la santé, bien sûr. Bon. Avoir le moral, c'est très très bien, hein. Je vous le conseille, sincèrement, si vous avez le choix, enfin moi quand j'ai le choix, entre avoir le moral et pas avoir le moral, je prends toujours la solution avoir le moral. Malade ou en bonne santé, notre vie est meilleure si on a un bon moral. Voilà. Et donc c'est tellement basique ça comme conseil de dire aux gens, ayez le moral, c'est tellement évident qu'il faut avoir le moral, qu'il faudrait qu'on mette ça hors du sujet, c'est pas la question. Pour vous montrer ça, je prendrai un exemple, imaginez, qu'on dise à un malade la chose suivante, c'est important que tu respires correctement pour guérir. Tu sais, tous les gens qui guérissent, eh ben, c'est des gens qui respirent. La phrase est parfaitement vraie et elle est complètement conne et inutile. Donc, c'est pas un conseil qu'on va donner aux gens parce que oui, respirer, c'est bien. Eh ben, avoir le moral, c'est pareil, c'est bien pour tout le monde et pas uniquement pour les malades. Donc, c'est pas la peine d'aller faire chier les malades qui sont déjà malades avec en plus une injonction et au fait, pense à avoir le moral. Alors bien sûr, attention, avoir le moral, c'est important, ça compte, parce que ça permet de garder une bonne hygiène de vie, ça permet d'être motivé pour être observant dans son traitement, et donc ça a des conséquences indirectes qui sont profitables, mais évitons la confusion. Rappelons-nous que ce qui aide, c'est l'hygiène de vie, c'est l'observance, et que le moral, bah, c'est le contexte, c'est ce qui est autour, c'est comment on vit tout ça. L'avantage de séparer les deux, c'est que l'hygiène de vie, on peut la mesurer avec des critères objectifs. On peut voir ce que font les gens, est-ce qu'ils ont une activité ou pas, est-ce qu'ils se déplacent ou pas, est-ce qu'ils mangent, voilà. On peut mesurer. Alors que pour mesurer le moral des gens, il faut passer par des questionnaires dans un bain social où on sait que quand on est malade, il faut avoir le moral. Et donc ça biaise un petit peu tout, évidemment. Vous avez peut-être autour de vous des gens très malades qui font bonne figure quand vous discutez avec eux et qui vous disent « bien sûr que j'ai le moral » parce qu'ils savent que c'est ce qu'on attend d'eux. Parce que un gentil malade, bien comme il faut, eh ben, il se bat contre sa maladie. Bien sûr, il a le moral, sinon ça embarrasse tout le monde. Alors il sait ce qu'on attend de lui, et il le fait pour les autres, en bonne partie. Mais si ça se trouve, quand vous n'êtes pas là, ce proche se sent très mal, il ou elle déprime, il se passe quelque chose comme ça, d'extrêmement vicieux, que vous ne voyez pas, et donc que je vais essayer de vous rendre visible. Ça sert à ça aussi, la pensée critique, c'est à se décaler un peu pour se rendre compte de ce qui se passe sous nos yeux sans qu'on le voit. Qu'est-ce qui se passe? 1. Il y a une croyance largement répandue selon laquelle le moral, c'est important pour guérir. 2. Quand on est malade, bah, on fait bonne figure parce qu'on veut avoir le moral, parce qu'on sait qu'il faut avoir le moral pour guérir. 3. Nos proches nous demandent de rester positifs. Ils trouvent que c'est important, donc ils nous le disent, ils nous parlent d'un tel qui avait un truc vachement grave, mais il avait le moral, il s'est battu, et il s'en est sorti, voilà, c'est bien, et ces gens-là qui le disent, le font pour notre bien, parce qu'on est tous d'accord sur l'hypothèse 1, que le moral est important, donc on se le répète, le moral c'est important, parce que si on pense que le moral n'est pas important, ça nous supprime un degré de liberté où nous, malades, on aimerait bien quand même pouvoir avoir du pouvoir sur notre maladie. Et donc si on se dit que bah, quand j'ai le moral, je peux guérir, c'est beaucoup plus satisfaisant que de se dire « il faut que je subisse la maladie, il faut que je suive des protocoles, il faut que je m'accroche
mais je peux pas tellement agir, j'ai pas de liberté, j'ai pas d'agentivité sur ce qui se passe, c'est très pénible, et donc on passe par des sauf-conduits, et donc notamment par cette idée que le moral est important pour guérir. Sans preuve. Si c'est vrai, c'est bien, mais si c'est pas vrai, ça peut être grave, parce que du coup, quatrième élément, quand on est tout seul, voilà, malade, avec son corps et sa maladie, ce qui se passe, c'est que on le vit plutôt mal. Alors, si vous êtes malade et que ça vous arrive dessus et que personne ne vous l'a dit, c'est normal de ne pas être bien. C'est normal de ne pas avoir le moral, c'est normal de déprimer, de se poser des questions, d'avoir des idées noires. C'est normal. Quand la maladie est grave, ça impacte, mais ça peut revenir. Le moral peut revenir après. Mais au départ, c'est dur. Et le fait de passer par une période de morale très bas, ça n'est pas grave du tout en soi. C'est pas ça grave. C'est dommage d'avoir le moral dans les chaussettes, on le vit très mal, mais c'est pas ça qui vous rend malade, en fait. Sauf que, à force de dire c'est le moral qui sauve, on inverse la causalité. Et le malade, qui sent qu'il n'a pas le moral, se dit, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me rendre plus malade encore parce que j'ai pas le moral. Et donc le malade, il déguste deux fois. Il a sa maladie, et en plus il dit putain, j'ai pas le moral, c'est ma faute. Et donc, cinquième partie, si votre ami ou votre parent a beaucoup de mal à garder un bon moral pendant que vous lui dites à quel point c'est important, vous êtes, sans le savoir, en voulant bien faire, en train de le torturer. En fait, il sait qu'il devrait avoir le moral pour aller mieux selon une croyance, et vous lui rappelez qu'il devrait avoir le moral, et lui, il sent que ça va pas, qu'il l'a pas, mais il fait un sourire poli devant vous, mais oui, monsieur, j'ai le moral, voilà. Donc, ça ne sert à rien de lui dire d'avoir le moral, parce qu'il le sait déjà, et donc il faudrait qu'on arrête. Bah, il faudrait qu'on arrête cette épidémie de « surtout garde le moral, c'est le plus important », parce que ça n'aide personne. Et parce que on est une chaîne de pensée critique et diététique, j'ai des sources. J'ai regardé quelques articles, alors j'ai tapé dans un moteur de recherche, c'était Google Scholar, les mots serious illness pour maladie grave et positive thinking pour pensée positive, avoir le moral. Et j'ai récupéré des articles, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc de 1995 à 2012. Et j'ai traduit les abstracts, les résumés, et je vais vous lire ce que disent les chercheurs sur la thématique que j'ai développée juste avant. Cynthia Rittenberg, en 95, dans le journal Supportive Care in Cancer, a dit: le soutien psychologique devrait permettre au patient de gérer sa situation d'une manière qui fonctionne pour lui dans un environnement de soins réaliste. Le soutien psychologique ne devrait jamais ajouter un fardeau supplémentaire à un patient déjà dévasté. En forçant une attitude mentale positive, les professionnels de santé ne permettent pas aux patients de faire face à la réalité. La pensée positive peut être appropriée en tant qu'une stratégie efficace face à la maladie parmi d'autres. Lui attribuer plus de mérite ou pire, insister pour que le patient croie en son pouvoir de guérison peut entraîner un désastre émotionnel. Sue Wilkinson et Celia Kitzinger, en 2000, dans le journal Social Science and Medicine, ont écrit: une opulente littérature en sciences sociales et en psycho-oncologie, dit que la pensée positive est corrélée avec, et par implication est causalement impliquée, dans les taux de morbidité et de mortalité, de manière générale, leur niveau de santé mentale chez les malades. Dans ce papier, nous montrons que la littérature précédente s'est appuyée de manière très importante sur de l'autodéclaration qui offre une description plus ou moins précise de l'état psychologique des interrogés, ajustement mental et style d'adaptation. Notre étude montre que la pensée positive fonctionne non pas comme un compte-rendu de l'état cognitif interne, mais plutôt comme un idiome conversationnel caractérisé par son imprécision et sa généralité et qui résume des attentes sociales normatives. En clair, quand on dit qu'on a le moral et qu'il faut penser positif, c'est de la salade de mots qui sert à rassurer tout le monde. Et tout le monde, surtout, et pas le malade en particulier. Louise de Raev, en 2003, dans le journal European Journal of Cancer Care, a écrit: de nombreux malades du cancer subissent des pressions morales psychologiques à penser positivement à propos de leur maladie dans le but de combattre, entre guillemets, le cancer. Une telle pression semble provenir de l'extérieur comme de l'intérieur. Ce papier
examine la littérature en psychologie qui supporte un lien entre pensée positive et rétablissement, mais il s'intéresse aussi aux implications morales de ce genre d'idées, en particulier quand les patients doivent faire face à une détérioration de leur santé et à la perspective de la mort. Mettre l'emphase sur le positif peut avoir deux importantes conséquences. Premièrement, les ressentis négatifs peuvent être minimisés, voire niés, un phénomène qui a ses propres implications psychologiques. Et deuxièmement, les patients qui ne guérissent pas peuvent interpréter cela comme une défaillance morale de leur part. Autrement dit, ils n'ont pas essayé assez fort. De telles idées peuvent résulter en une culpabilité, un blâme, qui peut être éradiqué si les professionnels de santé prenaient davantage soin de comprendre ce qui se joue autour de l'attitude de la pensée positive. Pam McGrath, en 2004, dans le journal Supportive Care in Cancer, a écrit « Bien que les participants affirment la valeur d'une perspective positive dans l'expérience de la maladie, ils sont critiques des pressions non sollicitées qu'ils reçoivent de rester positifs. Une telle pression interfère avec le processus naturel d'une continuelle renégociation d'un regard positif à travers l'exploration de leurs ressentis positifs comme négatifs. Les participants indiquent que dans les périodes de rechute ou d'aggravation de leur condition physique, ils passent par des cycles de désespoir, négativité, puis de réajustement avant d'être en mesure de percevoir le positif. Ce processus ne devrait pas être hâté et demande à être libéré des pressions à rester positif. » Important ce papier-là. Catherine McGrath, c'est une autre McGrath, 2006, dans International Medicine Journal, « La pensée positive est à la fois une injonction morale et un système de croyance. On estime souvent qu'elle peut aider les patients à gérer leurs émotions dans le cadre de la maladie et qu'elle produit des effets biologiques bénéfiques. Cependant, la signification, les attentes et les résultats de la pensée positive sont peu questionnés et ces risques sont rarement examinés. Nous suggérons que les professionnels de santé devraient faire preuve de prudence, tout à la fois dans la prescription de la pensée positive et dans leur réponse aux patients et à leurs aidants, à leurs soignants, chez qui elle est un système de pensée qui peut induire un sentiment d'obligation. » Enfin, Joel C. Ruttig et ses collaborateurs dans Psychology and Health en 2012 ont écrit ceci. « Les résultats de leur expérience montrent que l'exposition à des blogs faisant la promotion de la pensée positive augmente l'attribution de responsabilités et d'efforts assignés aux individus en regard de l'évolution de leur maladie. L'exposition aux idées de la pensée positive peut conduire les patients à être perçus comme coupables s'ils ne guérissent pas de la maladie. » C'était mesuré. Donc c'est plus juste moi, Mandax, qui vous emmerde un petit peu. Il y a des études qui montrent que ce sont les vraies conséquences de ces idées-là lorsqu'on les impose aux malades. Donc je répète, je ne dis pas que le moral n'est pas important, je dis exactement le contraire. Le moral, c'est important tout le temps, mais ça ne se décrète pas. Et ce n'est pas en disant à quelqu'un « Ah, elle morale » que ça va l'aider, pas plus que « guéris » ou alors « réduis cette fracture ». Ça ne marche pas. Il faut laisser le corps et l'esprit tout seul et lui donner le bon environnement pour que ça marche. On vit mieux quand on a le moral, et je pense que vous n'êtes pas surpris que je vous le dise, mais est-ce qu'on vit mieux quand on vous dit qu'il faut avoir le moral pour survivre quand on est malade? Ben, on a toutes les raisons de penser le contraire. La pensée positive, qu'on le veuille ou non, elle a aussi un aspect de structure normative qui véhicule l'idée qu'on peut agir sur sa santé par la seule force de sa volonté. C'est un réflexe qui nous vient naturellement, qui permet de faire reculer le spectre de notre propre maladie et de notre mort éventuelle. Ça nous apporte un contrôle, un sentiment de contrôle psychologique, et ça nous amène à être injuste. C'est comme quand on blâme les victimes d'agressions, de viols, de pressions, etc. On le fait parce que si on les rend responsables de ce qui leur arrive, alors on s'accorde un petit degré de liberté en plus pour échapper à un sort similaire. Alors maintenant, je vais me permettre de vous donner un conseil. Et si vous n'en voulez pas, arrêtez maintenant la vidéo, vous avez bien raison. Mais si vous voulez quand même un conseil de ma part, eh ben, je vais vous le donner maintenant. Premier conseil, aux malades, si vous êtes malade, rassurez-vous, vous êtes comme tout le monde, vous avez le droit d'être déprimé, plus ou moins, d'avoir le moral dans les chaussettes. Ça arrive à tout le monde et ça ne réduit pas vos chances de vous en sortir. C'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est suivre votre traitement, être observant. Ce qu'il faut, c'est continuer.
Et puis le moral peut revenir. Et j'ai pas plus de conseils à vous donner que ça. Maintenant, conseil numéro 2, pour les gens autour, si vous avez un proche qui est malade, mon conseil, et limite ne retenez que ça de tout ce que j'ai dans cette vidéo, si vous avez un proche qui est malade, ne lui parlez pas de son moral. Le moral n'est pas un moyen d'aller mieux, c'est une fin en soi. On veut avoir un bon moral pour profiter du temps qu'on a à être en vie, qu'on soit malade ou pas. Ce dont votre proche a besoin, c'est que vous soyez là pour lui, que vous participiez à sa vie. Ça va l'aider à rester actif, à interagir, à se nourrir, à bouger, à avoir une bonne hygiène de vie. Et ça, la bonne hygiène de vie, on sait que c'est exactement ce qu'il lui faut pour accompagner son traitement, pour aller mieux. Et tout ça, c'est bon pour le moral. Et le moral, il arrive en plus, en bonus. Et c'est bon pour le moral, pour le sien, comme pour le vôtre en plus. Donc tout le monde est gagnant. Enfin, pour finir, méfiez-vous des conseils glanés sur Internet où des tas de gens veulent vous susurrer à l'oreille des idées faciles pour vous vendre des solutions miracles. J'ai bien peur que les esthéticiens ne puissent pas lutter sur ce terrain. Le contenu de cette vidéo est beaucoup moins plaisant, beaucoup moins agréable, je suis un peu plus chiant, que tous les contenus des gourous en tout genre qui, eux, savent brosser les gens dans le sens du poil. C'est bon pour le marketing, mais c'est pas sûr que ce soit bon pour la santé. Et donc, pour conclure, si vous pensez que quelqu'un aurait intérêt à savoir tout ce que je viens de vous dire ici dans cette vidéo, eh bien, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, ou encore mieux, dites-lui ce que j'ai dit ici avec vos mots à vous, interagissez, ou mieux encore, ne lui dites rien et agissez sans donner de leçons. Les gens qui sont malades n'ont pas besoin qu'on leur explique, qu'on leur donne des leçons de santé, c'est pas la question. Par contre, ils ont besoin qu'on soit présent à côté d'eux. Voilà pourquoi ça m'énerve beaucoup et je me suis énervé dans le passé plusieurs fois autour de cette question de « Oh là là, il faut dire aux gens que le moral, c'est important. » Non, ne le dites plus, ça suffit, ça ne sert à rien, ça ne vous sert qu'à vous, pensez un peu aux autres. Et je suis sûr que vous en avez envie en plus. Donc je me fie à vous, je vous fais confiance et je vous bisoute gentiment avec votre consentement. Abonnez-vous, à très bientôt.